personne veut faire du pain? Ok. Pas de juger. Ils en font tous les trois ensemble, d'accord. Ils en font tous les trois ensemble. Super. Allez, je vous mets le sel. Les dosettes, il faut voir comment que ça peut rendre service, c'est incroyable. Là, qui n'a pas eu sa dose de sel? T'en as eu. Ok, d'accord. C'est bon. Alors, un petit coup de levure maintenant. Allez. Ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est tout simplement que j'ai rassemblé dans mon jardin les artistes que j'ai rencontrés tout au long de l'année, dont j'ai aimé le travail et à qui j'ai proposé d'ouvrir mon jardin. Il y a les coups de cœur rencontrés lors de certaines expositions. Il y a également ici des gens qui m'ont été recommandés par des amis qui connaissent déjà mon jardin et qui savent à peu près l'esprit du jardin, qui connaissent l'esprit du jardin et qui me les envoient. Donc je prends toujours soin de les rencontrer et de voir leur travail avant de les inviter parce que je fais quand même ma sélection. Certains d'entre eux, c'est leur première exposition. Il y a des personnes, ça fait quoi? Ça fait un an, deux ans qu'elles ont commencé à toucher à la terre. Et c'est vrai que pour ces personnes-là, c'est une opportunité d'exposer pour une première fois. Parce que le but de ma fête aussi, puisque j'appelle ça aussi ma fête, c'est que les gens puissent être découverts et refaire ailleurs ce qu'ils font ici. C'est un des buts de mon exposition, en fait. Il y a un ami, Claude Bisson, qui est boulanger-pâtissier de métier, avec qui je prends des cours de cuisine, et qui s'est proposé pour venir généreusement animer un atelier pain, en me précisant que les amis qui voudraient faire du pain sur place pourraient le faire. Voilà, ça a été génial. Tout le monde a mis la main à la pâte. C'était extraordinaire. Même les enfants, tout le monde a beaucoup ri. Et il a cuit du pain depuis ce matin. On a tous un peu une petite histoire aussi entre nous. Notamment, par exemple, l'association Baobab Allah qui vient de Romorantin. Je les ai connus avant qu'ils créent cette association et ils font de l'aide humanitaire avec l'Afrique en direct. Ils nous font déguster le bissap et ils ont une amie qui s'est un petit peu joint à eux, qui elle est d'origine togolaise et qui fait découvrir la culture africaine au travers de la fabrication de poupées noires avec les tissus africains. Et moi ça m'a beaucoup plu. L'art m'a toujours aidé à vivre et les artistes, je considère qu'ils m'aident à vivre. Je dis que la beauté sauvera le monde et l'art en est un instrument.